Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a félicité, mardi 19 avril 2022, l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens pour leur engagement pris à se départir de la violence comme moyen d'accession au pouvoir. Face aux deux chambres du Parlement ivoirien, réunies en congrès ce mardi, le chef de l'exécutif ivoirien n'a pas caché sa satisfaction quant à l'atmosphère paisible qui règne dans le pays depuis la fin des élections législatives du 6 mars 2021. Les mots d'encouragement du président Ouattara aux acteurs politiques dans son adresse, le chef de l'exécutif ivoirien a félicité l'ensemble des acteurs politiques, notamment, l'opposition ivoirienne, pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Je voudrais féliciter tous les acteurs du dialogue politique pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir, a déclaré le chef de l'État. Alassane Ouattara les a exhortés à maintenir ce bon état d'esprit quelles que soient leurs divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique, a déclaré le président Ouattara. Il a relevé que la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage le pays et à créer les conditions. Il a relevé que la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage le pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de la société civile dans la vie politique nationale. Rappelant que ce sont 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile qui ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Lire aussi Côte d'Ivoire, Thiemoko Meilete Kone, nommé vice-président de la République avec ses avancées au niveau politique, le chef de l'État a rassuré que la Côte d'Ivoire est en paix. Une paix et une stabilité consolidée avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021, a-t-il souligné. Pour finir, Alassane Ouattara a indiqué que ces élections, inclusives dans notre pays depuis plus de 20 ans, ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés.